Bonjour la team 2.0 et bienvenue sur Minecraft. Mais j'ai ajouté des armes sur le jeu. Alors, vu que c'est un petit peu cheaté, j'ai décidé qu'on allait commencer le concept pendant qu'il fait nuit. Parce que oui, sinon c'est un petit peu simple. Parce que dans tous les coffres du jeu, un petit peu comme ceux-là par exemple, eh bien à l'intérieur, on y retrouve les armes. Et on va pas se cacher que c'est complètement pété. Bref, du coup j'ai envie de vous dire, mettez un like. Parce que sinon, je vous déglingue bien sûr. Voilà, ça fait plaisir. Bref, par contre, on va pas changer les bonnes vieilles habitudes. On va quand même se crafter très très rapidement nos outils. Et vu que je suis quelqu'un de vraiment très très gentil, je me suis déjà fait mes outils en pierre. Et du coup, on va récupérer plus de pierres. Parce que, spoiler alerte, la pierre, on va en avoir besoin. Parce qu'en fait, pour se crafter des armes, il me faut ce qu'on appelle des box. Et la première box que je vais me faire, elle s'appelle tout simplement la Modern Warfare Box. Et la Modern Warfare Firebox se craft tout simplement avec du colorant vert. Et le colorant vert, ça s'obtient avec des cactus. Et les cactus, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Regardez, les cactus sont juste ici. Par contre, dans le désert, il y a beaucoup de mobs. Donc du coup, il va falloir que je fasse attention à mon gros cul. Voilà, nickel. On a un petit peu de colorant. On a toujours un petit peu plus de colorant. Et toi, Spider-Man, tu crèves. Voilà, fabuleux. Par contre, ce qui est beaucoup moins fabuleux, c'est que j'ai plus de munitions. Donc du coup, il va falloir creuser, trouver du fer et faire la Modern Warfare Box. Et maintenant que c'est fait, j'ai envie de vous dire, place à l'amusement parce que regardez ce qu'on a ici. On a des fusils de précision, on a des fusils d'assaut, des fusils à pompe, mais surtout ce qui nous intéresse là maintenant tout de suite, c'est tout simplement des munitions de Makarov. Parce que oui, pour le moment, la seule chose que je puisse crafter, c'est ça. Donc écoutez, on crafte ça. Et d'ailleurs, surprise, je me suis crafté une armure en fer. Par contre, la mauvaise surprise dehors, c'est que c'est toujours la nuit. Et que les munitions, elles partent à une vitesse hallucinante. Du coup, on va repartir dans les mines. Mais d'abord, on va partir chasser. Et aujourd'hui, c'est KFC. Et le KFC, ça le Johnny kiffe. Bref, j'ai envie de vous dire, maintenant on va partir creuser. Parce que j'aimerais déjà petit 1 trouver du fer. Et j'espère également trouver un mineshaft, parce que dans les mineshafts, il y a des choses vraiment extraordinaires. A few moments later. Surprise! Le mineshaft, on a trouvé. Et comme je vous disais en début de vidéo, la chose très très intéressante dans les mineshafts, c'est tout simplement ceci. Parce que dans les coffres, oh là là, regardez ce qu'on a trouvé, une AK-47! Oh yes, ça c'est bon! Et surtout, on a trouvé du diamant. Bon, après c'est un petit peu secondaire, mais ça fait quand même plaisir. Et là, je peux vous assurer d'une chose, monsieur Lame, c'est tout simplement qu'on va fouiller de fond en comble l'entièreté du mineshaft et que moi, je vais me récupérer également l'intégralité du fer parce que les munitions et les nouvelles armes, se craftent tout simplement avec du fer. Du coup, écoutez, le Johnny va en profiter. Et en parlant de profiter de quelque chose, oh, on a un petit coffre juste derrière. Et ça fait plaisir, on a de l'iron et un nouveau diamant, mais par contre, pas de nouvelle arme. Ouais, on peut pas avoir tout le temps des armes dans les coffres, sinon ce serait un peu trop simple. Allez, on recharge l'AK et on va partir chasser les mobs. Qui, petit. Veux avoir tonton, bien sûr, si seigneur, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, looting 3, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal du tout, si vous voulez mon avis. Oh, et nouveau coffre! Oh, il est mignon celui-là, il est plutôt mignon. Et on a un micro HD, je sais pas du tout à quoi il sert, mais écoutez, ça fait plaisir. Et on a surtout de l'essence, ce qui veut dire qu'il y a des véhicules sur ce mode. Et ça, ça fait plaisir. Bref, il est temps de tester la carte. Oh, la vache! Oh, la puissance de ce truc! Oh là là, je vais fumer l'Ender Dragon, je pense. Je vais le déglinguer. Et ça, ça sert à quoi? Mais je l'ai déglingué, le mob! C'est complètement pété, ce truc. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait plaisir, en tout cas. Oh, yeah! Et, regardez ça, on vient de trouver du fibre-glace. Et il me semble que le fibre-glace, on va tout simplement en avoir besoin pour crafter de nouvelles armes. Ouais, il me semble qu'on en a besoin pour les grosses armes. Et le fibre-glace, ça se craft tout simplement avec de la clay and sand mixture qu'on va faire cuire. Et le clay and sand mixture, ça se craft avec de l'argile et du sable. Écoutez, j'ai envie de dire, on va sortir d'ici et je pense qu'on va se faire de nouvelles armes cheatées. Ouais, je pense que c'est un très très bon programme. Du coup, on se craft une épée, une enclume et on va s'enchanter l'épée butin 3 pour chasser les blazes. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc, mais j'ai enfin trouvé à quoi servait le micro HID. Ça sert tout simplement à récolter des blocs qui servent à rien. Donc écoutez, moi je pense que je vais m'en servir pour déglinguer des mobs.
Je trouve ça beaucoup plus utile. Alors, non seulement on est complètement pété, mais non seulement on a découvert un magnifique village. Et ça, ça fait sacrément plaisir. Mais ce qui fait encore plus plaisir, c'est que je suis sacrément pété avec mes nouvelles armes. Bref, du coup, j'ai envie de vous dire... Oh, fouillage de village. Et je sens qu'on n'est pas venu ici pour rien parce que... On a trouvé des grenades. On a trouvé un lance-flamme, il me semble. Et on a pas mal de munitions. Ce qui veut tout simplement dire que les villageois, ils vont cramer. Bien sûr que oui, voilà. Fabuleux. Quelle belle exploration. Et on va en profiter aussi pour faire un tout petit peu de bouffe. Parce que ma foi, on a très très faim sur cette aventure parce qu'on a plus du tout de bouffe. Voilà, nickel. Donne un petit peu de bouffe à Johnny, ça fait plaisir. Mais hé, attendez, on n'en parle pas assez. Là, je viens de trouver un hélicoptère de combat et un truc avec des chenilles. Qu'est-ce que c'est? Oh! J'étais en train de me demander comment ça fonctionne, mais c'est magnifique ce truc! On peut déglinguer des villages! Bon, par contre, petit problème, il y a absolument plus de munitions. Bref, l'hélico, on va le tester juste un tout petit peu plus tard, parce que maintenant, là, tout de suite, j'ai besoin de bouffe. Encore un peu! Écoutez, maintenant, je pense qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. On va se faire de la fibre de verre. Voilà, nickel. Je pense que ça va être très très rapide. Et maintenant, eh ben, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à faire cuire tout le bordel. D'ailleurs, la nuit est en train de tomber et je pense qu'on va vraiment bien s'amuser dans quelques instants. Bref, on récupère la fibre de verre, on récupère la glace et il est l'heure de crafter ceci, mesdames et messieurs. Et il est là. Il est là, mesdames et messieurs. Il est magnifique et on va même crafter tout simplement des balles. Oh ouais... Ça, ça va être pas mal, ça. Alors, quelle est la puissance de ce petit truc? Oh! Oh, pas mal du tout, ça, one shot! Je suis pressé d'aller dire bonjour à l'Ender Dragon, parce que vraiment, je pense qu'on va s'éclater. D'ailleurs, en parlant d'éclater les choses, je pense qu'il est temps d'aller tester l'hélicoptère. Bon, eh ben écoutez, bienvenue dans l'hélicoptère! Et j'ai envie de dire, il est totalement temps de détruire le village! Si seigneur que c'est vrai, mourrez créature de l'enfer. Voilà, craignez ma toute puissance. Bref, trêve de mondanité, la chose qu'on va partir chercher maintenant, eh ben c'est tout simplement un lac de lave. Et ça tombe bien, regardez, on en a un juste ici. Voilà, nickel, fabuleux, on a atterri, on récupérera ce petit bijou là un tout petit peu plus tard. Et du coup, ben, j'ai envie de dire, on va crafter le portail. Hop, le portail est crafté. Toi, mon tabarnak, tu crèves et allumage de portail. Voilà, fabuleux. Portail allumé avec un lance-flamme. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez mettre des legs, bien sûr que oui. Voilà ce que vous allez faire, parce que vous avez jamais vu quelqu'un qui ouvre un portail avec un lance-flamme, bien sûr. 3 hours later. Et hop, maintenant, mon activité favorite par-dessus toute, farmer les blazes. En fait, c'est pas du tout vrai. Mais écoutez, faut quand même le faire. Allez, toi, tu crèves. 1 eternity later. Bon, eh ben, mesdames et messieurs, je vous prie de me croire qu'on est 50 milliards d'années plus tard, et on est enfin dans le Stronghold. Chose que j'attends le plus, c'est exactement ces petits coffres ici. Parce que dans ces coffres-là, normalement, il y a des trucs insane. Et oh, 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 bien sûr que oui, il y a des belles choses. Il y a des antimatières boulettes. Ok, on va récupérer. Voilà, nickel. Et en plus, on a l'arme qui va avec. Et ça, et je vous prie de me croire que cette arme-là, vraiment, elle est oufissime. Il me semble qu'elle doit one-shot la plupart des mobs de Minecraft. Par contre, je suis pas sûr pour l'Ender Dragon. Bref, maintenant, bah, il reste plus qu'à trouver le portail. Ki-ki-ki-ki-ki-ki, petit-petit, viens voir tonton. Eh bah, le voilà, par contre, saleté de foufou, tu vas crever. Voilà, nickel. Toi aussi. Et maintenant, plus qu'à mettre les perlasses. Voilà, nickel. Allez, hop, avec le snipe, on casse tous les end cristal. Voilà, nickel. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tester mes joujoux. Ah ouais, eh, par contre, je suis déçu. Eh, mes joujoux, ils fonctionnent pas bien contre le dragon. Oh ouais, mais non, frérot. Attends, est-ce que le snipe, ça fonctionne? Au moins, viens voir ici, toi. Viens. Mais non, frérot. Ah ouais, mais non. Bon, écoutez, on va en tester un nouveau. Oh, pop, hop. Eh, il fait bobo, celui-là. Allez, tiens, prends ça. Oh, oh, ça immobilise le dragon. Oh, c'est une scène, ce truc. Oh ouais. Oh ouais, ouais, ouais. Oh non, par contre, je l'ai cassé. Oh, la déception d'un homme. Et par contre, c'est cheaté de ouf, hein. Allez, du coup, dernier coup sur le dragon. Oh yes. Ça, c'est bon. Aïe, 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 aïe. Adieu, dragonetto. Bref, écoutez, mesdames et messieurs, pour ma part, c'est la fin de cette vidéo.
On a terminé Minecraft avec des armes complètement cheatées. J'espère que vous avez kiffé le concept. Si c'est le cas, déglinguez la barre de like. N'oubliez pas que je vous kiffe. C'était John. Peace.